Aujourd'hui, grand moment, parce que c'est ma première année en tant que président de l'UMM, et l'UMM est un des partenaires donc fondateurs de ce salon avec la PIM, porté après par la Chambre de commerce et d'industrie. Et l'UMM aujourd'hui appelle l'indice industriel à venir nous rejoindre pour former une famille qui a pour vocation de pouvoir influer aussi bien sur le politique que sur la conscience, pour que notre industrie territoriale reste ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une industrie forte. Et pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit bien sûr dynamique, il faut qu'elle soit attractive et il faut qu'elle soit à la page. Alors c'est sur les deux premiers volets, on est dans le régalien des actions de l'UMM. Sur le deuxième volet, là on rentre dans l'industrie du futur. Hier soir, nous avions une superbe conférence menée par M. Mallard qui nous expliquait ce qu'était l'intelligence artificielle et qui nous a un peu affolés. Je crois qu'il faut avant tout mettre un pied devant l'autre et savoir avancer dans le débat en fonction des obligations que nous nous imposons, nous, chefs d'entreprise, pour mener nos entreprises vers l'excellence. Ça, on ne peut le faire seul. Et c'est pour ça que l'UMM aujourd'hui se propose, à travers de ces quatre groupes d'influence, de pouvoir travailler sur chacune des thématiques qui vont toucher la gestion des ressources humaines et tout ce qui va toucher l'humain dans l'entreprise. Je vous propose donc, à l'instar de ce que fait l'UMM dans ce salon pour porter son soutien à cette réussite renouvelée 16 années consécutives, de venir rejoindre notre syndicat pour pouvoir avec nous être influent auprès de nos politiques, auprès de nos institutions et surtout donner cette visibilité qui doit être la nôtre, celle d'une industrie obligatoirement dirigée vers l'avenir, donc vers l'industrie du futur.